Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à sortir dehors. Il fait très beau, nous allons profiter pour prendre l'air. Et donc je vous invite à aller chercher vos baskets et un survêtement et un legging ou bien quelque chose d'assez souple, un short hein, même. Allons-y, hein, c'est presque l'été. Et nous allons faire de la biokinésie en extérieur et aujourd'hui particulièrement de 3 fois 400 mètres, ce qui va nous permettre de transpirer. De nous oxygéner un maximum. L'oxygénation, c'est l'aliment numéro 1. Et on va aussi, par cet exercice, libérer les tensions physiques et psychiques. Je vous rappelle que le sport, c'est le contrepoids du nerf. Donc, en fait, ça va vraiment vous permettre de libérer. Et tout de suite, on va se sentir beaucoup mieux. Donc, à tout de suite. On se retrouve dans la rue. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vous invite à partir tranquillement. On va faire un mini footing, donc on n'est même pas en mode footing, hein. On est en mode tranquille, juste un pas rapide, et on va le faire sur une distance d'environ entre 200 et 400 mètres. Allez, on est parti sur le premier 200 mètres. Tout le monde peut le faire, c'est très facile, hein. C'est juste, voilà, vous pouvez faire sur 100 mètres, on respire bien, voilà. On va venir vraiment ouvrir le gris costal et l'accélération cardiaque va permettre la circulation du sang. Allez, on respire bien, on souffle surtout. Quand on court, même tout doucement, ce qui est important, c'est de souffler longtemps, à chaque souffle. Car le souffle va vous permettre de diminuer l'accélération cardiaque. Donc inspirez fort et soufflez longtemps. Allez, on se retrouve au bout du premier 100 mètres. Alors moi j'avais choisi un 300 mètres aujourd'hui. Donc quand vous arrivez au bout de l'allée que vous avez choisi, vous respirez tranquillement, on récupère à fond. Et dès qu'on va avoir récupéré, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Donc vous allez refaire le même chemin en sens inverse, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, voire 400 mètres. Et là vous allez courir en mode footing. Allez, donc le mode footing, on lève les genoux et pour s'aider, les bras bougent, hein, comme s'il levait vos genoux, d'accord, pour être sûr d'arriver jusqu'au bout. On va pas trop vite, hein, pour pouvoir tenir jusqu'au bout de l'allée quand c'est fixé. Alors, je vous retrouve au bout de l'allée, à tout de suite. Et voilà, pour l'allée en footing, je suis arrivée au bout, comme vous. Donc là, c'est récupération. Donc on sent, hein, que la respiration est à fond, c'est-à-dire qu'on est vraiment en hyperventilation. Donc on récupère un maximum d'oxygène, qui est vraiment l'aliment numéro 1, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, on a de la chance, on a du soleil, c'est vraiment génial. Allez, on va repartir et on va faire la troisième allée. Donc vous avez vu, c'est rapide. C'est très facile, hein. Franchement, vous pouvez tous le faire. Même si au départ vous faites sur 50 mètres, vous allez voir, vraiment c'est génial. Les effets sont très puissants. Faites-moi confiance. Enfilez votre jogging, mettez vos baskets et allez-y. Donc là c'est parti. Je fais la troisième allée. Donc je vais le faire à fond. C'est-à-dire que là on court à fond.
pour oxygéner un maximum et stimuler le cardio. Alors j'y vais, je vais partir à fond et je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est terminé. C'est un exercice vraiment rapide et vraiment très efficace. Donc je vous rappelle la technique. C'est un, on appelle le 3x400 mètres, mais il peut s'effectuer sur 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et après, pour vraiment les plus grands sportifs, 500 mètres, voire 1 km. Hein. Hop, on se lâche. Et en fait, vous allez avoir tous les bienfaits qui vont tout de suite se mettre en place en fait dans le corps. Donc à savoir l'hyperventilation, donc oxygénation maximale. Au niveau cardio, vous avez donc le cœur qui est le muscle en fait qui relance la circulation sanguine, qui va bien travailler. Donc c'est un muscle qu'il faut travailler hein, comme tous les autres, très important. Ensuite, vous avez la libération du stress, c'est-à-dire que tout de suite on se sent mieux hein, puisque le sport c'est le contrepoids du nerf. Donc c'est vraiment aujourd'hui en fait l'idéal qu'il faut pratiquer. Je vous invite vraiment à enfiler vos baskets et sortir. Voilà, après si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez les informations hein, sous la vidéo, sur mon site. Je réponds à toutes questions. Si vous souhaitez un entretien individuel, n'hésitez pas à me joindre sur mon site par mail ou m'envoyer un SMS. Je réponds à toutes les questions. Je prends même des rendez-vous par Zoom ou par Skype, selon chacun, où on peut faire un point ensemble, sachant qu'aujourd'hui, je pratique un tarif spécial confinement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite. Au revoir.